C'est parti. Christian Pop, noir. Moi, blanc. Je joue, il trouve hyper vite. Bon, ça c'est le style pop, mais je peux rien dire. Hop, ça bouge. Pardon. En gros, bah, il a pu construire ça, mais ça c'est solide. Donc ça donne. Ça neutralise son potentiel. Donc pour moi, je suis assez content. Pour jouer tout ça, il n'y a rien à faire, à réfléchir. Je pense que il vaut mieux jouer ça d'abord et après, et je sais pas, de jouer quelque chose ici, s'il veut vraiment faire le move. Mais là, entrer dans le coin, je pense que c'est un peu trop tôt. Et dans la partie, en fait, c'est purement influence contre territoire. Et là, je pense qu'il faut faire ça parce que là, blanc vit le coin, mais noir a enfermé ça, donc ça, il peut encore protéger un peu de territoire ici, et surtout c'est à noir de jouer, il peut soit faire ça, soit faire ça. Bon, ça c'est une partie. Bon, bien sûr, dans la partie réelle, c'est aussi une partie, mais le problème c'est que blanc a fait un tunnel en bas et il n'y a plus aucun territoire ici. Donc pour moi, je suis assez content. Et je pense quand même qu'il faut faire quelque chose ici pour élargir ça et réduire ça. Bien sûr, je vais venir ici et il va vers ça. Je pense que bon, c'est pas facile pour noir parce que blanc a trop de territoire, mais il faut faire ça parce que dans la partie réelle, une fois que blanc joue ici, je suis assez content pour blanc. Et surtout, il a mis combien de temps, mais j'ai mis même pas 2 minutes. Donc, au niveau de temps, je lui donne la pression. Et là, la partie, je suis assez content. Et du coup, en fait, c'est lui qui commence à envahir. Et sachant que s'il envahit, j'ai trop de pieds ici, il va subir des attaques. Et en attaquant, ça va être toujours continuer à être neutralisé. Donc, mais le problème, c'est qu'après ce coup-là, s'il fait ça, ça c'est trop gros. Et là, on ne trouve pas une ligne pour défendre. La ligne de défense, il n'y a pas. Donc, il fait ça. Et là, il y a une technique. Il faut faire ça d'abord. Pourquoi? En ce moment, si blanc joue ici, bien sûr, blanc est grand, mais un jour, il y a le 500. Vous voyez, un jour, il y a ça. Du coup, si je fais ça, je ne suis pas sûr de pouvoir le tuer. Mais dans la partie réelle, il fait ça d'abord. Et le problème, c'est que quand il fait ça, il veut profiter du synthé ici. Il ne peut plus parce que je peux faire ça. Et là, vous voyez la sacrée différence. Cet échange, ça c'est mort et il n'y a plus d'agi. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est de faire ça d'abord et de venir vers là et de faire ça et de faire ça. Et là, je pense que c'est moins facile pour blanc d'attaquer. Mais dans la partie réelle, c'est comme ça. Et puis, quand il joue ici, parce qu'il ne peut toujours pas faire ça, et jouer ici, vous voyez, c'est pas très bien non plus. Du coup, il joue ça, mais blanc contre-attaque. Ici, c'est un peu compliqué, je vais pas aller trop précis, mais le souci, c'est qu'ici, il a encore consommé beaucoup de temps, et j'ai consommé que 2-3 minutes. La pression est toujours là pour noir.
Du coup, après, il a fait quoi? Là, il a fait ça. Après la partie, il m'a dit il aurait dû faire ça. Attari. Et pousser. Et devenir un groupe comme ça. Bien sûr, je pense que c'est toujours bien pour blanc. Parce que, bon, il peut, un jour, il peut rentrer toutes ses pierres par ça. Au niveau territoire, il n'a pas beaucoup perdu, mais blanc est hyper solide partout. Et ça, c'est moitié mort, parce que quand blanc joue ici, c'est quand même gros. Donc, et ça, vous voyez, c'est... J'ai une forteresse ici, donc ça me facilite. Bien sûr, ici, il n'y a presque rien, donc ça me facilite l'invasion. Et dans la partie réelle, c'est peut-être encore pire. Il a joué ça. Mais ici, j'ai loupé une chance. Si je joue ça, ben en fait, il ne peut pas, même pas faire ça. Parce que quand je joue ici, c'est mort. Il peut créer un œil en bas. Mais quand je sors cette pierre, localement, c'est mort. Donc, du coup... Du coup, quand blanc fait ici, la seule chose que noir puisse faire est ici, et il fait ça. Et vous voyez, blanc a encaissé tous les territoires et noir a sorti un groupe qui n'est pas encore vivant. Donc, ce n'est pas du tout bien pour noir. Là, bon, c'est aussi le principal défaut de jouer trop vite, c'est que tu loupes des choses. Mais c'est quand même... C'est un cool feeling de jouer vite. Ça fait peur à l'adversaire. Attends, il a fait quoi? Je pense qu'il a fait cet échange. Non, il a fait cet échange, mais pas à l'Atari. Après, on est venu ici. Donc ça, c'est un José qui courant, qu'on joue hyper souvent. Et le prochain coup, je joue ici. Pourquoi? Parce que ici, il y a beaucoup de synthé. Ça et synthé, ça et synthé. Ça, c'est synthé, ça, c'est synthé. Donc, s'il fait ça, par exemple, je vais coller ici. Il fait ça. Donc, du coup, je vais éliminer tout ça. Parce que, en gros, j'ai pris 15 points par rapport à ça. Et je serais content d'éliminer tous ces potentiels ici. Même si je sacrifie un peu dans le coin. Donc, ça, c'est ce que je voulais faire. Et lui, il a joué ça. Du coup, j'ai fait double année. S'il recule, bien sûr, c'est une autre partie. Blanc est assez content aussi parce que blanc vit avec à peu près 10 points. Mais la partie sera quand même assez... Je ne peux pas dire qui a gagné, mais c'est ce que je compte à faire. Mais il a joué ici. Du coup, il y a un coup. Il y a un coup. Mais comme ce groupe n'est pas encore tout à fait vivant, c'est pourquoi ce coup est tout à fait jouable. Et je commence à attaquer pour faire le coup. Bon, franchement, ce que je pense qu'il faut faire ça. Et par exemple, jouer des menaces comme ça. Et surtout, c'est que... bon, je vais continuer un peu pour ce coup-là, parce que c'est quand même intéressant. Le problème, c'est que pour blanc, le risque, c'est que je ne sais pas si je rajoute deux coups comme ça, je peux vraiment tuer ce groupe. Et le souci, c'est que si je n'arrive pas à tuer, et c'est foutu, parce que c'est hyper gros. Et du coup, le risque blanc, c'est que... blanc doit jouer des coups comme ça, par exemple, pour vraiment donner les menaces. Et le problème, c'est que même si noir joue ici, là, ça va être un échange assez intéressant. Parce que, en gros, blanc élimine tout ça, mais noir, par exemple, il peut jouer ça. Du coup, c'est que noir sort tout ce groupe et
il met ça en danger, bien sûr, c'est pas mort pour blanc, mais le problème c'est que pour blanc, ça c'est affaibli et ça a soigné. Du coup, ça c'est aussi une possibilité pour noir. Mais je peux pas dire, je peux pas garantir que c'est bien pour noir, mais ça, ça donne une possibilité. Parce que par rapport à la partie réelle, c'était un peu trop facile. C'est que bon, ça c'est un mauvais coup. Pourquoi? Parce que sinon, quand noir coupe,